Chères Ulyssiennes, chers Ulyssiens, bonjour et bienvenue dans ce dernier épisode du petit CM avant les grandes vacances. Gros conseil municipal ce soir avec une trentaine de délibérations à l'ordre du jour. Nous allons en étudier quelques-unes, mais avant cela, pour la première fois, nous avons un invité. Ce soir, le maire va suspendre la séance du conseil municipal pour donner la parole au responsable du trésor public d'Orsay, Monsieur Cabello. En effet, ce dernier va exposer aux élus et à vous, citoyens, sa synthèse sur la qualité des comptes de notre commune pour l'exercice 2022. Ce dossier étant particulièrement technique, nous avons décidé de lui donner directement la parole pour qu'il vous explique sa démarche. C'est parti ! Alors moi je suis responsable de la trésorerie d'Orsay, donc je suis comptable public de la commune. Donc qu'est-ce qu'un comptable public ? C'est un fonctionnaire d'État de la Direction Générale des Finances Publiques chargé des enregistrements comptables, des opérations de dépenses et de recettes décidées par la collectivité, sachant que le maire et le conseil municipal ont eux la qualité d'ordonnateur, c'est-à-dire que c'est eux qui décident, qui votent le budget, qui apprécient l'opportunité des dépenses et qui constatent les recettes. Le comptable public, lui, procède aux enregistrements comptables, à la mise en paiement des dépenses et au recouvrement des recettes après avoir réalisé un certain nombre de contrôles formels. À l'instar de certaines entreprises privées dans lesquelles les comptes sont vérifiés et certifiés par un auditeur externe, le processus de certification des comptes est apparu depuis quelques années dans la sphère publique. De nos jours, si les comptes de l'État et de certains établissements publics comme les hôpitaux sont certifiés, il n'en va pas de même des collectivités locales qui sont toujours en phase expérimentale. Donc la Direction Générale des Finances Publiques a donc proposé d'expérimenter pour les collectivités de taille intermédiaire comme les ULIS des dispositifs alternatifs à cette certification, dont l'un est une présentation de la synthèse de la qualité des comptes devant l'Assemblée délibérante. Donc la notion de qualité des comptes signifie que les comptes doivent être à la fois réguliers, c'est-à-dire que les mécanismes comptables mis en œuvre doivent être conformes à la réglementation comptable, mais surtout il faut qu'ils soient sincères, au sens où ils doivent donner une image fidèle du résultat, de la situation financière et du patrimoine de la collectivité. Ce rapport est strictement limité à l'examen de la qualité comptable des comptes de l'exercice 2022 de la commune. Il n'a pas vocation à apporter une appréciation sur la gestion de la commune et il ne s'agit en aucune façon d'une analyse financière ni d'un rapport sur la gestion budgétaire. Concrètement, il s'agit d'une synthèse qui a pour objet de mettre en évidence les forces et les faiblesses de l'information comptable et d'en assurer la publicité devant le conseil municipal en amont de la production des comptes. Un grand merci à M. Cabello de s'être prêté au jeu des questions-réponses. Retournons maintenant à nos délibres. Je vous propose à présent un peu d'amour pour nos amis les bêtes, puisque ce soir, le CM va délibérer sur la charte de bien-être et de protection animale. Depuis quelques années, ce thème est au cœur des problématiques relatives à la transition écologique, sociale et solidaire. La municipalité souhaite mettre en place cette charte afin de respecter, faire respecter et défendre, dans la mesure de ses moyens, les textes de loi concernant les droits des animaux. L'objectif étant de mettre en place une réflexion partagée afin de faciliter une cohabitation harmonieuse entre les habitants et les animaux de compagnie, mais aussi les animaux urbains dits liminaires et les animaux et insectes sauvages. Les différents groupes de travail mis en place par la Fabrique citoyenne ont notamment réfléchi à des actions à mettre en place afin de garantir ce bien-être animal. Quelques exemples, la création d'un refuge pour les hérissons et la création de corridors pour la traversée des routes, la création d'une aire de détente canine, l'installation de nouveaux pigeonniers contraceptifs et de cages de capture, un soutien financier et technique aux associations de protection animale, des campagnes de sensibilisation et bien d'autres encore. Après la signature et l'approbation de cette charte par le conseil municipal, la prochaine étape pour la ville est l'obtention d'un nouveau label régional, le label Ville Amie des Animaux. Enfin, pour terminer, nous parlerons politique de la ville et subventions. Depuis 2015, la ville des Ulis possède un contrat de ville unique et global établi autour d'un projet de territoire. Il intègre des enjeux de cohésion sociale, de développement urbain, économique et durable. Le contrat de ville est mis en place dans les QPV ou quartiers prioritaires de la politique de la ville. Aux Ulis, ces quartiers sont les Avelines, la Donnière, le Bosquet, les Fraisiers ou encore la résidence Adoma. Pour mettre en œuvre le contrat de ville, des axes ont été définis et concernent l'éducation et la petite enfance, la santé et l'accès aux soins, la sécurité, la prévention de la délinquance et l'accès aux droits, la vie sociale des quartiers, le cadre de vie et le renouvellement urbain, l'emploi, l'insertion et le développement économique. Chaque année, la ville propose aux partenaires financiers de la politique de la ville un programme d'action municipale et associative s'inscrivant dans les objectifs du contrat de ville. Pour l'année 2023, on peut citer toutes les actions mises en place par le PRE, projet de réussite éducative, ou encore les quartiers d'été,
les entraides des Amonts, de Courdimanche et du Bosquet, les fresques participatives de la Fabrique citoyenne et bien d'autres. Toutes ces actions ont un coût. Ce soir, le Conseil municipal va donc autoriser des demandes de subventions conséquentes à tous les partenaires de la politique de la ville, c'est-à-dire l'État, le Conseil départemental, l'agglomération Paris-Saclay et la Caisse d'allocation familiale. Des associations sont aussi partenaires de ce contrat de ville. Ce soir, une autre délibération établira un projet de convention afin d'attribuer des subventions à ces différentes associations pour qu'elles puissent mener à bien des actions dans les QPV. Et voilà, c'était le dernier petit CM de l'année scolaire. Je vous donne rendez-vous à la rentrée lors du prochain conseil municipal. D'ici là, je vous souhaite de passer un bel été et prenez soin de vous.